Ushuaïa, Argentine. Que faire? Marcher jusqu'au phare de la fin du monde, et sentir qu'il n'y a plus rien au-delà de vous deux. Pourquoi c'est romantique? La Terre de Feu est le bout du monde, la région la plus méridionale de la planète. Si près de l'Antarctique, il faut se tenir chaud. Lorsque vous serez prêts à aller ensemble jusqu'aux confins du monde. Comment dire je t'aime? Tu quiero. San Francisco, États-Unis. La ville offre toutes les conditions pour un voyage romantique entre balades le long de l'océan, super parcs naturels et hôtels de charme. Pourquoi c'est romantique? Avec cette cité mythique comme toile de fond, vous vous sentirez comme dans un film. Pour un beau voyage d'été ou en escale durant un road trip aux États-Unis. Comment dire je t'aime? I love you. Île de Pâques, Chili. Que faire? Contempler le coucher du soleil auprès du Moai Trema Solitario de Angaroa. Pourquoi c'est romantique? Vous vous trouverez entre d'imposantes statues, sur l'une des îles les plus reculées de la planète, à contempler l'immensité de l'océan Pacifique. Pour sortir de la routine et des destinations classiques pour enfin découvrir le monde. Comment dire je t'aime? Tu quiero. Kilimanjaro, Tanzanie. Que faire? Parcourir des paysages grandioses au parc national du Kilimanjaro, au milieu d'éléphants, antilopes et autres léopards. Prendre comme témoin de votre amour la plus grande montagne d'Afrique. Lorsque votre relation ne veut rimer avec rien d'autre que fortes émotions. Comment dire je t'aime? Nina Pandagou. Prague, République tchèque. Que faire? Se promener sur la colline de Petrine, prendre le bateau et admirer la ville depuis la rivière Vltava puis profiter d'une nuit à l'Opéra de Prague. Prague est une ville chaleureuse qui change de visage au gré des lumières. Lorsque vous souhaitez partir en week-end des paysans, comment dire je t'aime? Milugit. San Pedro, Belize. Que faire? Ce village de l'île d'Ambergriquet est idéal pour s'adonner à la plongée, se détendre au bord de l'eau et siroter des cocktails. La fameuse Isla Bonita sort des sentiers battus tout en proposant les classiques du genre, super plage, ambiance festive et hôtel de rêve. Entre décembre et mai, quand il y a peu de pluie et que les températures sont douces. Comment dire je t'aime? Tu quiero. Honolulu, Hawaï. Que faire? Se dorer à la plage, visiter les jardins botaniques Fauste et danser jusqu'à fatiguer. Imaginez un peu admirer le coucher du soleil avec un collier de fleurs autour du cou. Pour passer une lune de miel hollywoodienne. Comment dire je t'aime? Aloha Oahu. Les îles grecques. Que faire? Passer une journée à la plage, dîner devant le coucher du soleil, siroter un verre de vin sous les étoiles. Peut-on faire plus romantique? Chacune de ces îles pittoresques donne l'impression d'être faite pour oublier le temps à deux. Un voyage de noces idylliques ou un beau séjour surprise, de préférence en juin. Comment dire je t'aime? Saga. Bali, Indonésie. Que faire? Réserver au moins une nuit d'hôtel en Jingga Gardens du Bu, qui propose des villas avec piscine à débordement privé. Vous n'en croirez pas vos yeux. Il suffit de voir l'image pour s'en faire une idée. À Bali, vous oublierez tout le reste. Après les noces, car la légende veut que Bali soit une break-up island fatale pour les couples non mariés. Mais vous pouvez tenter votre chance. Comment dire je t'aime? C'est Yacinta Camus. Paris, France. Que faire? Flâner à Montmartre, dîner à Saint-Germain-des-Prés, et boire du bon vin face à la Tour Eiffel. Paris reste la ville par excellence de l'amour, elle se nomme aussi la ville lumière. Paris est toujours une bonne idée, mais surtout quand il fait beau. Comment dire je t'aime? Avec des croissants et du chocolat apportés au lit le matin.